compté sous actualité a, mais li dit li pas de ka fè autrement. C'est ça nan yon position li exprimé ki pote ta jounen jodi a et 8 septembre, deux jours après attaque en règle, il était subi nan men président Jovenel Moïse ensemble ak ministre travaux publics l'ingénieur Jean-Céline Snader qui rend la Cour supérieure des comptes responsable d'après avoir Port-au-Prince Pabel pays a développé et même côté président de la Cour supérieure des comptes là habité président et intervenu et fait yon moun qui t'a participé dans salle relé rencontre communautaire vinn pote précision sur lieu résidence président la Cour supérieure des comptes là dans occasion et déclaration ça et qui soulevait débat et sous niveau l'état haïtien jeune jeudi arrivé côté la vogue et conseil la Cour supérieure des comptes à contentieux administrative CSCCA dit par principe li pa prend position publique sous des faits qui nan actualité a concernant dossier technique légal que l'a traité la dernière vinn jwenn côté que en pile fois de secteur qui intéressé bay dossier sa couleur politique. Cependant, nan dernière déclaration publique et puis gros autorité nan pays en fait pendant yon activité nan palais national yore le dialogue communautaire dimanche qui était 6 septembre 2021 qui capable la cause de gros préjudice gros danger sous intégrité physique ça veut dire que gagne des monde vie en danger dans la Cour supérieure des comptes et attaque morale à professionnel sous membre personnel la quoi là dans membre conseil là ça obligé le sortir dans réserve li institution en journée jeudi a réserve que l'imposé tête li à partir de statut qu'elle gagne qui à la fois li gagne pour voyager sous juridiction financière et à administrative pays a pour capable li obligé sortir dans réserve ça pour éclairer population pour porter lumière sous confusion à parole de Green Gauche qui dit et plusieurs fois dans rencontre ça et avec plusieurs variétés dans attaque qui a fait yo pour porter lumière d'après ça dit pour population. Depuis exercice 2013-2014, la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif est présentée par population vraie nature institution ça qui s'est contrôlé finances publiques. Ça veut dire ça qui pour tout peuple haïtien. Li dit dans son ça, li publié, li produit et publie une série de rapports sur diverses façons fonctionnement administration publique nationale là et li fait des recommandations sous pi fort nan recommandation sa yo pa jam occupé li di autorité yo li fait recommandation ba yo pour yo capable redresser faiblesse yo constaté mais yo pa jam occupé pi fort nan recommandation sa yo et ça a ville yo tout nan sens ça refléter souci la quoi dit qu'elle toujours gagnant et pour c'est la loi qui domine nan fonctionnement administration publique là. Et comme ça nan yon démarche pour capable aller joindre plus moun et avec moyen moderne communication yo petit li entre tout nan produit de travail yo commencé à mettre disponible et accessible pour tout monde qui voulait pour capable consulter yo li dématérialiser pas seulement document ou ka gen nan men mon capable joindre yo tout sur site internet li sur www.cscca.gouv.ht. La quoi qu'a parlé toujours, il dit jusqu'à présent, c'est des personnalités ak des groupes qui gagnent raison politique qui motivé yo, qui semblait qui pas apprécié travail la Cour supérieure des comptes là a fait qui c'est un tournant d'après ça dit et décisif même qui très important pour permettre que information sous fonctionnement l'état et population bien comprendre ni li fait qu'on est tout monde dans population bien accueilli des marchois c'est en étant monde qui gagne raison pour ça qui gagne raison politique qui pas apprécier travail la quoi a fait et li est qui des monde qui espérait avec impatience au contraire pour la quoi vienne plus bon encore pour forcer gain bon gestion dans l'argent public l'argent peuple finance publique nationale là et c'est seul et un contrôle total de gens que l'agence a dépensé pour éviter gagot à corruption
et c'est moi qui ajoute gagota corruption, mais il dit c'est seul un exercice rigoureux et dans fonctionnement ak nan contrôle qui gagne dans question financement qui capable garantir yon bon distribution. Et c'est dans contexte ça pouvoir exécutif là à travers voix pire go autorité qui gagne dans l'état yon pas et faire des commentaires qui pas chita sous la vérité concernant travail la quoi a fait et yon l'autre pas qui vient cibler et mettait en danger la vie même la cour supérieure des comptes là même conseil là que yon rend responsable propre manquement pa yo qui clair et jan yo raté travail yo proprement yo côté pas arrivé rempli mission yo et rapide avec diligence avec compétence et de façon efficace et yo voulait faire c'est la quoi qui pour porter chai pour yo alors que autorité yo chaque jour plus yo mêlé et non démarche yo que ta doit faire et déclaration qui pas clair et qui en pile fois semblait acte craponaille intimidation et même qui représentait des déclarations de menaces sur la place publique qui a fait contre la cour pour l'histoire et pour la vérité c'est toujours la cour supérieure des comptes contentieux administratif qui a parlé et dans une démarche pour opinion publique là capable jeune éclaircissement conseil la cour supérieure des comptes contentieux administratif là fait être un devoir pour porter lumière sa yo et dans moment ça di quoi qui bien tombé pour société haïtienne nan non moment côté gen manipulation k'ap fait sous information qui a diffusé à travers série de médias il parler de médias modernes certainement réseaux yo et ak médias traditionnels yo et sous fondement la loi ça la loi dit dans cadre et fonctionnement la cour supérieure des comptes ak sa ke l dwe fè nan intervention technique li en tant que organe de ki la pou contrôler action gestion finance administration l'état ensemble avec collectivité territoriale yo d'après ça le fait connait constitution ak tout l'autre instrument la loi bay et nan sa république la reconnaître la cour supérieure des comptes gen tout yon série de responsabilités que l dwe exercer sans passe pour qui et il doit faire sans pas pencher yon bord et il doit faire nan transparence et avec intégrité et comme ça constitution dit dans article 200 la cour supérieure des comptes à contentieux administratif c'est une juridiction financière administrative qui grand monde tête li indépendant autonome li en chargé pour contrôler et de façon administrative et activité finance dans l'état et juridictionnelle toute recette toute dépense l'état et puis vérifier comptabilité entreprise l'état yo ensemble avec toutes dépenses dans collectivité territoriale. Li dit article 200-4 dit la cour supérieure des comptes à contentieux administratif participer dans monter budget et yo consulter sur toute question qui gain à revoir avec la loi sur finances publiques sur tout projet contrat sur tout accord à convention depuis gain question finance et commerce et tout accord commercial avec question financière que l'état entre la donne la cour supérieure des comptes li gain rôle li pour jouer constitution définie et li gain droit pour réaliser de audit dans toute administration publique là net d'après ça article 200-4 l'a précisé concernant rôle et fonctionnement la quoi qui indépendant et autonome il dit attribution ça yo précisé et yo clarifié dans disposition décret 23 novembre 2005 qui établit qui genre la quoi organisé et qui genre fonctionner mais ça le dit article 2 la cour supérieure des comptes contentieux administratif CSCCA c'est une institution indépendante qui a comme mission pour juger toute action administration publique là fait dans affaire l'argent l'état dans ordonner dépenses et toute question comptable dans affaire l'argent public et pour assister parlement en sera pouvoir exécutif là dans contrôler gens et à exécuter loi et disposition concernant règlement qui concernait question budget à comptabilité publique. Article 5-3, toujours dans le même décret, ça dit la Cour supérieure des comptes l'a gagné comme attribution et pour le bail à ville qui motivait
sur tout projet, contrat, accord, convention et depuis cette bagarre qui a dépensé l'argent qui a un caractère financier, caractère commercial ou bien industriel depuis l'état la donne la Cour supérieure des comptes la donne pour le contrôler. Et dans cadre et travail li à partir de attribution ça que constitution bali que la loi bali que règlement bali la quoi li exercer yon contrôle d'abord sous projet et question contrat que yo soumettre entité publique soumettre devant li parler de législateur là et te mette dans contrôle ça préventif elle a dit que li sert pour intervenir avant pour éviter que on pas obligé faire des corrections en pile fois qui coûter en pile l'argent, li obligé bloquer de contrat par exemple si loyer mal monté, ça il a ça dit li intervenu en amont et pour yo pas obligé à porter correction sous des bagages qui capable faire dépenser en pile l'argent pour corriger yo ou bien tout pour pas arrêter tonne les dégâts fin fait et puis yo pas qu'à faire aucune réparation. C'est peut-être ça, législateur là, te prévoit, faut que la Cour supérieure des comptes depuis un l'est intervenu dans cadre accord, dans cadre contrat. Dans dernier temps ça, c'est toujours la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif qui a parlé. Que certains avis ou les avis de conformité et la Cour supérieure des comptes l'a sorti qui défavorable et concernant une série de projets contrats, pouvoir exécutif l'a soumettre devant la Cour. La dayo et c'est un paquet désinformation que y a bail un paquet et bail menti allégation et sale non la quoi faire déclaration à menace la quoi a subi non même institution tout en bas menace depuis quelque temps pour l'histoire et pour la vérité et pour permettre à la population bien comprendre la quoi li là pour servir intérêt supérieur nation et pour yo capable bien comprendre réalité qui gagne dans genre de démarche ça yo li fait être nos devoirs yon pas pour relever quelques éléments dernièrement là qui fait la quoi après attaque dans main pouvoir concernant deux projets que allait pour venir moun qui pire dans l'état a pédé répéter ça pour attaquer la quoi et pendant émission qui fait dimanche 6 septembre 2020 et côté d'ça et yo traité moun et qui a travaillé dans la Cour supérieure des comptes de toute qualité parole de tous les mots d'Israël et yo fait connait que moun sa yo ignorant yo incompétent et yo demandé pour raison sa yo et li même li quoi était important pour te faire le point sur deux dans projet ça yon là dans ce projet contrat qui gain à revoir à construction centrale électrique qui doit servir à diesel ensemble avec gaz naturel là et pour 55 mégawatts dans commune Kafou. Projet ça d'après ça la quoi dit et li bay un avis défavorable pour plusieurs raisons. La quoi dit simplement la prend deux dans raison. Article 2.4 dans projet ça préciser et si que date signature contrat ça pas arrivé fait avant date expiration offre yo te négocié 29 avril 2020 ça veut dire 90 jours à partir de date 29 avril là contrat ça li nul et non avenu et à moins que tu as gagné un autre accord tous deux parties ont écrit ensemble et qui t'a capable peut-être accompagner une modification dans condition offre 29 avril 2020 est faite prix ensemble avec calendrier donc projet contrat ça yo te soumettre li devant la cour pour te bail avis conformité seulement dans date 6 d'août 2020 et qui violait propre thème contrat que l'état signé à compagnie ça qui vini monter 99 jours à partir de date yo te commencé à sans yo pas de guéri un accord ensemble yo te rivé joindre en deux parties yo et donc un document qui était déjà nul là menen devant la cour supérieure des comptes là là présenté pour te bail avis parce que dans propre document t'es déjà dit document depuis date ça t'est passé n'est pas valable encore et malgré ça dans date 6 d'août yo voyé dans la cour supérieure des comptes pour avis de conformité malgré son situation grave vice que relevé dans article 2.4 non qui normalement la cour était de rejeter projet purement et simplement et pour te permettre l'état adresser à toute préoccupation qui te gagne dans dossier ça quand même la quoi dit l'analyse alors que pas de analyser du tout
li analyser globalement projet a yo soumettre devant nan et côté la quoi qui côté la quoi responsable d'après avoir projet contrat ça li pas valable qui zak blocage la quoi fait qui est-ce qui a bloqué qui est-ce qui a bloqué qui bagaille c'est question ça la quoi poser justement yon mission la quoi était fait prévenu de yon acte qui pas existé yo te fait l'état comme ça que yo te porté devant parce que t'est arrivé en retard il y a plusieurs sections tout dans même projet contrat ça électricité a et que gouvernement peut parler en pile de li et qui écrit seulement en anglais une langue que agent public qui dans la quoi qui doit faire suivi à contrôle sous li et dans la quoi et dans l'état pas obligé maîtriser et ça veut dire et disposition article 6 dans décret 10 février 1967 sous loi ak pièce administrative à judiciaire dans article 46 dans loi 10 juin 2009 sous question marché public là exigé pour traduire depuis que c'est pas dans deux langues officielles là et contrarié faut que traduire et c'est un expert qui assermenté qui pour traduire document ça yo qui doit rédiger dans deux langues officielles pays a gagnen ou bien dans une dans deux langues et yon violation et comme ça et qui viole la loi est-ce que li pas lui-même et cause de non conformité concernant projet contrat ça est-ce que t'a mandé la quoi pour violer loi république là c'est question ça la quoi poser dans ça qui concernait 29 projets contrat l'état haïtien passé avec deux entreprises dans pays pour les capable acheter masque nan meyo contre covid 19 là li dit dans tout un projet contrat gon clause et exemption et qui pas ni droit et ni taxe la donne dans tout projet contrat ça yo et de ce fait selon la cour pas aucune disposition yo te prévoir pour prélever ça que la loi exigeait dans tout contrat l'état ici a passé et faut gagner 2% et qui pour aller dans caisse l'état alors que dans contrat ça yo l'état pas prévoir 5 ans pour l'état alors constitution dans article 219 li dit que yo pas capable établir de privilège dans question impôt pas gain aucun exception aucun augmentation ni aucun diminution ou bien suppression impôt yo pas capable tablir c'est la loi seulement qui capable déterminer en plus de ça selon article 84 dans loi 4 mai 2016 non qui remplaçait décret 16 février 2005 là sous processus gens que yo monté et gens que yo exécuté loi dans question finance la quoi li en chargé pour contrôler opération gens que y a ramassé l'argent comme impôt et droit avec taxe gens faire recouvrement ressources ça yo avec l'autre source revenu pour l'état donc li vérifier est-ce que démarche conforme à ça la loi qui en application dit et li statuer sous si t'as gain abus et si t'as gain favoritisme ou si t'as gain avantage personnel que démarche ça te ka bay dans situation ça yo exemption informelle impôt que l'état te bay fabricant masque li illégal en plus de ça yo te relaté tout dans même émission 6 septembre 2021 la quoi bloqué projet contrat construction yon pont sous rivière des anglais dans département sud alors que en réalité document projet contrat ça li poko jam rivé selon avis conforme à la loi nan men la cour qui sa déclaration ça caché d'elle li dit que pourquoi jam poté projet ça conformément à la loi bay la cour élément ça yo sous question projet contrat public yo montré à clair niveau parole et voye monté qui pas exact parole qui pas clair ou bien confusion nan déclaration pouvoir exécutif là contre opération contrôle avec rigueur transparence et de façon objective sans passe pour qui la cour supérieure des comptes a fait dans cadre attribution constitution avec la loi Bali pour finir la cour dit dans ça qui paraît le plus étonnant et confusion loi gain c'est dans déclaration avec gens que exécutif là après ça c'est de paroles qui pas ça qui pas correct et dans émission dimanche 6 septembre non et même exécutif là dans plus haut niveau et en kenan yo pas arriver identifier texte légal qui bail fonctionnement la cour supérieure des comptes là
Il parlait de décret 23 novembre 2005 là qui établit organisation et fonctionnement la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif qui sortit dans le journal Le Moniteur numéro 24 vendredi 10 mars 2006. Pas gen yon membre nan exécutif là qui rivé cité exactement texte ça qui rivé établi qui côté yo défini à clair fonctionnement la Cour supérieure des comptes là. Donc un conseil la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là redit encore membre yo et la population et tout le monde qui attend justice administrative dans la Cour supérieure des comptes tout le monde qui attend transparence et justice administrative li di yo li déterminé pour le respecter de façon totale capitale tout ça qui écrit dans constitution concernant attribution à rôle la Cour supérieure des comptes à tout l'autre instrument la loi et réglementaire qui en vigueur dans question finances publiques dans pays d'Haïti. La Cour supérieure des comptes dit la poursuivre mission et qui se contrôle pour bonne gouvernance financière et administrative dans pays hein, et la Cour pas ta capable représenter quel que l'on soit j'en prenne une entité qui la cap bloquer projet pour développement et pays en faveur population. Et c'est maître Rogaville Boisguené, président de la Cour supérieure des comptes à contentieux administrative qui portait et qui signait déclaration ça qui sont mises au point la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Il était long mais nous t'es obligé faire parce que la Cour pas gagné pour vocation pour n'en tirer l'obé à pouvoir exécutif là mais après attaque qui t'est faite yo et il était nécessaire pour t'es gagné point de vue la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif qui c'est une institution républicaine qui extrêmement important pour pays hein? Donc la Cour supérieure des comptes doit exister et li doit survivre à tout gouvernement qui a passé dans tête pays. La fois premier campé. Selon commissaire gouvernement à IAN, M. du Carmel Gabriel, li fait connaître en cas d'enquête qui a peine sur assassinat et M. Ferrier Dorval jour qui était 28 d'août là la Kaili dans pèlerin 5 et DCPJ déjà attendait 3 citoyens. La police t'est arrêté 1er septembre dans Pétionville et qui t'est gagné et téléphone ancien bâtonnier nan main yo. Et sous même sujet a maître Gabriel voyait jeter l'autre information que t'a fait quoi que téléphone maître Montferrier d'Orval de préférence c'est dans poche qui t'est nan moment nèg exam t'est assassiné. Yon l'autre pas à la tête paquet Port-au-Prince non confirmé DCPJ invité 3 avocats, Maître Wilgui Bessia, Maître Melior Joseph et Maître Johnny Saint-Ville et qui fait partie du cabinet Maître Montferrier d'Orval et avec secrétaire li et madame Katie Lindor pour demain pour venir bay détail dans DCPJ. Yon lot bord et dans cadre d'enquête là chef paquet a confirmé effectivement l'elle était allé pèlerin était attaqué cortège li nan niveau pèlerin 1 ak pèlerin 2 sa ki la cause une insécurité li te blessé en babal. N'ap tande commissaire gouvernement a IAN maître du Carmel Gabriel nan conférence pour la presse à côté Hervé Noël te présent pour Radio Kiskeya. Le bâtonnier a reçu 3 cartouches et gen yon ki traversé li et gen 2 plombs ki rete que nous remet de CPJ pour étude balistique et analyse balistique. Nous va regarder pour nous wè plon sa yo à quel calibre que correspond et à partir de ça nous gagnons au niveau de base de données nous. Et les vêtements du bâtonnier ont été aussi remis à la DCPJ. Le mardi 1er septembre 2020, la PNH a mené une opération à Pétionville qui lui a permis d'interpeller 3 individus dont l'un en possession du téléphone portable de l'ancien bâtonnier. Donc ça faut préciser li bien que moi ou minimiser le fait que yo joint téléphone portable bâtonnier nan men youn nan moun yo son gros bagay ki fait nan cadre d'enquête là. M'a rappelé tout nan cadre même enquête ça nous t'ai invité en fait gen 3 avocats du barreau de Port-au-Prince. Ce sont des avocats qui font partie du cabinet de Maître Montferrier d'Orval. Bon, moi sur les réseaux sociaux et j'ai des informations qui ont circulé comme quoi ces avocats seraient dans le collimateur de la justice. Donc, je ne crois pas que c'est ça. Donc, ce sont des gens qui sont invités à se présenter à la DCPJ
en vue de fournir quelques éléments d'information. Parce que c'était proche Maître Dorval, yote konel, et même secrétaire là tout, probablement Maître Latigain doit recevoir des menaces. Il y a un droit, il y a deux monde qui ont permettre de nous identifier. Donc nous seulement invité yo pour yo ta fournir quelques éléments d'information. Nous ta souhaité que nous très patients. Donc son enquête cap avancer et faut l'aboutir. Donc ce n'est pas une opération de police, c'est une enquête. Dans le moment que Maître Dorval est exécuté ou bien assassiné, donc juge de paix est sur les lieux. Juge de paix a police scientifique, moi-même comme commissaire gouvernement, les juges de paix sur les lieux. Si téléphone n'était dans la poche, Maître Dorval, il t'a pris, il t'a mis le sous-cellé. Donc, il est clair que le téléphone n'a pas de sous-lit. Donc, nous-mêmes, nous utilisons, nous déployons des efforts, nous faisons pile sacrifice pour que nous arrivions à interpeller Mounsayo en possession de téléphone et de SIM, Maître Dorval. Mais ça me confirme, c'est que le téléphone, ça, que nous retrouvons dans même monde ça yo y a pas de sous Maître Dorval, il pas de sous Maître Dorval, car s'il était sous lit juge de paix depuis le t'a dressé pour ce verbal de constat le corps sans vie de Maître Dorval nous t'a prend téléphone là et mettre le sous monsieur commissaire. Bon, c'est le nous arrivé dans zone pèlerin 1 et 2 nous t'a subi une attaque, t'ai gagne deux monde qui t'a tiré et police qui t'avait mieux t'ai riposté. Et c'est ainsi que Gagnon Ladanio, en fait, un agent de sécurité qui recevra un cartouche dans la main. Oui, ça, m'a confirmé. Donc, il répond au nom de Bertoni Saint-Ange. Donc, c'est pas dans celle de Crimea? Non, c'est dans la zone Pèlerin 1 et 2. Au cas où Maître Dorval, c'est Pèlerin 5. Voilà, commissaire gouvernement Aïan. Toujours dans la conférence pour la presse, Maître Gabriel Ducarmel, mandé Maître Eddy Paul Fleurant. Et qui t'a fait déclaration d'après ça dit pour dire t'es localisé téléphone Maître Ponferré Dorval dans palais national jour que yo t'es exécuté là pour venir avec preuve concernant information ça dans conférence pour la presse Iba jeudi dans bureau dans bicentenaire Maître Gabriel fait qu'on est pas au courant et concernant information qui a circulé fait quoi que enquêteur de CPJ t'a recevoir menace d'après avoir travaillé sous dossier crime ça. Dans même conférence pour la presse là, il fait connait enquête là avancé et il mandé patience avant yo joindre résultat qui nécessaire. Yo l'autre pas il confirmer IGPNH déjà prend sanction contre policier qui était responsable sécuriser résidence bâtonnier après te fin assassiné qui était déplacé et ça qui la cause individu était entré caï bâtonnier al vandaliser et c'est dans ça yo volé bâton et bâtonnier bâton symbolique. N'a attendé explication commissaire gouvernement à Port-au-Prince, Maître Ducarmel Gabriel, conférence pour la presse côté Hervé Noël, t'es présent pour Radio Kiskeya. L'en retourner sur les lieux, nous te gain plusieurs conseillers avec nous, Maître Mario Delcy. Le bâton du bâtonnier a été emporté. Mais maintenant, c'est pas que y a pas de vandaliser et ça fait policier ça aucun déplacé à que n'était placé sur les lieux en vue de sécuriser la résidence du bâtonnier. Eh bien, gagné de sanctions que nous prenons contre eux. Inspection générale, gon enquête que le tap mené. Donc, demain ou jeudi, y a déféré et au niveau du parquet de Port-au-Prince. Maintenant, scène de crime, nous t'es gagné exploité déjà et nous t'es placé de policiers. Ça qu'a brivé que nous retourner, pour un examen beaucoup plus approfondi. Nous t'es gagné droit d'avoir le fond enquête de voisinage parce que Kayla pas isolé. Je ne vous dis pas que la maison n'a pas été vandalisée. C'est pas ça. Mais m'dou que contrairement à mon yo dit pas un procès encore, scène de crime crasée, etc. Eh bien, bon, si c'est à dimanche, nous t'apprends le prend pour nous d'aller, mardi, pour nous d'apprends exploiter scène de crime, non. Mais nous pas d'affaire, hein? Je vous dis que le jour même de l'assassinat de Maître Dorval, la scène de crime a été bien exploitée. Comme policiers nous déplacer, ou à qui l'aime déplacer, commissaire? Non, bien le jour même, tu as de policiers qui là. Et c'est Udmo, c'est une des Udmo qui était chargé de sécuriser le bâtiment. Il fait le pas relève. Il était là et il est là jusqu'à nouvel ordre. Que ce soit au niveau de la DCPJ, que ce soit au niveau du parquet, nous pouvons jamais révéler l'identité de monde qui nous amène. Et au moment opportun, nous avons fait ça. Et tout le monde a connu qui monde et qui boit le travail et ça passe. Donc pour question
sim nan ke yo ta jwenn antre bon en fait kesyon nan antre les mains de certains McKinley nou precize ke gen 3 personnes interpellées et gen yon la dayo nou jwenn telefòn met portab et telefòn portab met Dorval et sim nan nan mel. Et ensuite pour localisation et Simna que met Eddie Paul Fleurant bon on dit qu'il fait déclaration nous elle tous sur réseaux sociaux penser que celui qui avance un fait doit le prouver donc c'est une règle impérative donc au moment opportun là va gagner des explications pour le bail sur ça parce que que ce soit de CPJ ou bien moi-même, nous pouvons rendre public résultat enquête. Et nous travaillons sous lui. Et seule garantie que nous avons toute population, c'est que M. Montferrier d'Orval qui est un symbole, donc il faut qu'enquête là avance et quel que soit le monde qui est impliqué, il faut arriver sous lui. Donc pour menace qu'on dit enquêteur à recevoir, donc même pas au courant de ça. Donc c'est yo que pas au courant de ça. Bon, monsieur, m'a dit non. Gagne cap font exploitation politicienne de dossier son dossier cap avancé et m'a rappelé que Med Dorval a été exécuté dans la nuit du 28 août 2020 en moins de 4 jours nous joignent téléphone portable. Donc pour commissaire gouvernement toute bagaille a marché très bien dans dossier crime sans pareil ça et vous entendez dit répéter plusieurs fois dit exécution. Et exécution, mettre mon ferrier d'Orval, on n'a pas venu reprocher la presse pour nous dire la presse cap dit exécution. Et commissaire gouvernement, même qui employait le mot exécution. Et donc, lui montrer c'est un gros avancé qui fait, et dans question, a fait téléphone ça, il y a non. Mais depuis semaine passée, vous mettez à courir pour présenter 3 individus ça devant la presse, jusqu'à présent, ça n'a pas jamais fait. Et pendant ce temps-là, demain, gagnent invitation pour 3 avocats qui associés dans cabinet d'Orval là pour venir dans DCPJ et nous avec toute secrétaire nous parler avec Youn Ladanyo qui c'est avocat associé dans cabinet d'Orval maître Wilgi Bessia il confirmé lui même avec 2 autres membres cabinet a yo paré pour y aller répondre question DCPJ même si bawa pata bayo main levée pour la police qu'attendait yo. D'après ça, mettre Bessia et Wilkie Bessia précisé nan micro nous. Il dit c'est normal les gagnent yon enquête qui a mené sur la mort yon citoyen yon assassiné pour intéresser tant de monde qui proche défunt, monde qui était dans entourage li. Yo même dans cabinet d'Orval, yo paré pour collaborer pour mettre d'Orval jeune justice. Et n'attendez mettre Wilkie Bessia et qui t'ai parlé comme ça je dis à sous antenne nous dans journal alternatif il a répondu une question Beethoven François fils avec Dodley Oelus. Je devais convoquer nous 3 avocats, 3 collaborateurs de Dorval plus la secrétaire. C'est Wilgi ou même Melior Joseph avec Johnny Saint-Ville. Et secrétaire c'est Katie Lindor. Donc audition ça c'est pour demain. Oui, c'est pour demain mercredi 10h. Motif là c'est dans cas d'enquête qu'a mené sous dossier assassinat de Dorval, nous-mêmes dans cabinet Dorval qui gens nous comprennent ça. Normalement, nous sommes des avocats. Nous connaissons très bien lorsque il y a enquête qu'a mené. Tout le monde nous questionne. Parmi eux, le monde qui était plus proche des victimes. Moi-même, commissaire au gouvernement, j'ai dimanche soir, pour descendre par des salles, dit bon, de ces véritables étendues. Moi, je dis pas de problème. Et n'a pas utilisé les procédures normales, parce que quand la justice des étendues ont un avocat, c'est Baoua pour lui écrire, pour lui demander la permission pour le cas auditionner avocat ça. Normalement, dans le cas d'enquête là, de ces pays besoin des informations. Et si nous tenons en vue immédiat, peut-être que des questions d'Italien imposées. C'est pour ça, le commissaire gouvernement a délaissé une lettre à Batoni. À Ian, pour demander lui pour que nous capables de présents dans le CPJ pour audition ce mercredi. Pour nous, c'est assez simple le fait que le CPJ voulait tendre nous-mêmes gens, lui, tâcher d'étendre, on va être l'autre monde. Ça que nous trouvons tout simplement, ça, c'est le fait que gagner
différents médias en ligne surtout, qui fait une récupération négative de l'invitation. Par exemple, nous de Haïti Net 24 qui parlait de avocat dans le collimateur de la justice. C'est très mauvais, c'est regrettable. Et nous souhaitons que Jean d'Antique Sarreau rentre, parce que c'est pas comme ça ou détruit l'image dans le pays. Après que le pays a fini perdre M. Dorval, parce que personne n'a pas affecté de plus que ça, parce que nous, profondément affectés par ça, profondément touchés, et encore plus pour les avocats du cabinet d'Orval. Bala, passé 28 août, il a déjà pratiqué autopsie sous cadavre M. Dorval. Nous avons un résultat partiel. Le, il était sorti dans la faculté, c'est dans le cabinet alté, dernière fois tu parles avec là, c'était qui le, ou même, ou bien nous-mêmes dans le cabinet à nous-mêmes. Moi, j'étais dans le cabinet depuis vers 2h, donc 3h. M. Dorval, je suis arrivé vers entre 4 et 5 heures, moi quitte le cabinet à M. Dorval. Moi, allé vers 8 heures. À 8 heures exactement, moi, la machine, moi, déplacé. Comme c'était vendredi, montré le carré, moi, plus beau neuf que d'habitude. Nous allons, c'est après. Le bras fait 11 heures. Ils ont avocat, relève. Est-ce que je dis une nouvelle, M. Dorval? Parce que c'est moi, en plus de fois, il y a les agents, parce que je suis toujours plus proche, je connais. C'est dans le cabinet, lui. Le temps de rumeur, circulé, tout à fait, quoi, que je t'ai tiré sur lui. Je lui ai demandé, non, pas quoi. Parce que ça, le âme, c'était dans le cabinet, là. Et normal. Et puis, bon, bah, même bien temps, rivé par le rein, de une photo, M. Dorval, sur les réseaux sociaux, victime assassinée devant la CAELI, de plein fouet. C'est ça. Maintenant, parler, il était bien avec vous, comme vous êtes un homme qui est plus proche li, dans le cabinet. Est-ce que le fait nous part de menace la recevoir et qui nature, qui côté au sorti? Bon, je n'ai pas été venu sur une station sœur, ça va bien longtemps. Dans le moment, lui mieux que lui, question sérieuse, il aurait été pour les besoins de l'enquête. Parce que, écoutez, le criminel, après avoir posé un acte, le finit. Fait crime, non. Il paraît être inactif. La suivre évolution, question. La suivre sa cap sorti dehors pour lui réagir tout lui-même. Et on ne sait jamais si que le cambriolage qui fait M. Dorval n'a pas lié avec l'homme. Ok? Parce que ce criminel-là pourrait être inactif. Trois, s'il y a des données que le connaît, que ou capable de voir, il a des intentions pour y aller chercher avant pour le récupérer. Ça, c'est l'attitude criminelle. C'est pourquoi on dit toujours que le criminel revient toujours sur les lieux du crime. Voilà, c'est maître Wilgui Bessia qui, avec deux autres collègues, plus secrétaire maître Dorval, pourra répondre à la question de CPJ demain, Jean que ça t'a annoncé. Pour secrétaire conseil Lord et Bao Port-au-Prince, maître Robinson Pierre-Louis, il n'y a pas aucun problème pour DCPJ tendez toi associé plus secrétaire et cabinet d'Orval là dans cadre enquête la menée sous crime ça. Il dit d'ailleurs c'est commissaire gouvernement qui baille DCPJ et a fait travail là pour la justice qui bal mandat pour tendez monsieur Damio. Maintenant Pierre Louis dit bah a déterminé pour enquête là pas se poursuit quoi toute pile à paquet enquête pile à paquet crime qui fait dans pays a mais il dit pour crime Met Dorval la fois que sorti a une conclusion pour Met Dorval et surtout famille capable de justice baoa a mis à disposition DCPJ 4 membres cabinet et Dorval là et avocat avec avocat qui pour accompagner d'après ça secrétaire Lord avocat précisé et Met Pierre Louis confirmé en témoin Jean que t'ai annoncé hier a chanté 18 septembre dans l'église Saint-Pierre Pétionville et la veille dans jeudi 17 famien dans hôtel Caribé a recevoir condoléances. Je va gagner pour bail plus d'informations sous protocole funérailles là et n'attendre maître Pierre Louis et Robinson Pierre Louis qui te parlé comme ça toujours matin sous antenne Radio Kiskeya non journal alternatif dans micro Beethoven François Fils à Dodley Aurelius.
Et j'en ai dit, n'a pas mis de pression sur Fabio, sur le commissaire gouvernement, sur le CPJ, parce qu'il y a une obligation pour avoir un résultat dans l'enquête. Ça. Et moi, que yo censé déterminer, selon Jean-Moi, yo a agi, suivant Baoua, ses conseillers et l'ensemble des avocats, voire la fédération en général, nous avons continué à mettre pression yo, et nous avons continué à exiger pour que la lumière soit faite et que les auteurs, tant intellectuels, matériels, voire les complices, yo trouvé yo. Et déférer par devant qui de droit, donc à juger convenablement. Donc, en réalité, moi, invitation en fait, et parce que y a des gens qui ont des suspicions ou bien qui ont des gens pas d'accord pour l'invitation en fait, mais c'est dans le cadre d'enquête. Depuis dans le cadre d'enquête, on va pas qu'on aucune piste. Et d'autant que, moi, y a plein de gens, c'est des proches collaborateurs, moi, qui ont censé, qui connaît, mettre dans le val, qui a quelques bagailles, peut-être que tu as dit, ou bien qui a quelques bagailles, tout, etc. Donc, des bagailles que eux-mêmes, qui est important que base de CPJ et ensemble des enquêteurs quand on est tout pour être capable de continuer et mieux orienter l'enquête. C'est nous qui avons fait exigence pour nous faire le résultat. Tout ça qui a facilité nous vous donner, d'autant que l'avocat n'a pas de problème tout. Et au niveau conseil là, il y a une disposition qui est en plan pour mettre des avocats, des conseillers et d'autres avocats chevronnés assister M. Damio. Vous pouvez attendre, c'est un bagage qui est normal. Mais comme on a dit tout à l'heure, sous information de débat sur l'enterrement, effectivement c'est le 18, effectivement tout c'est Saint-Pierre, mais bon petit changement jusqu'à présent, nous pouvons confirmer. Pour question Caribéa, effectivement, nous t'es dit que c'est Caribéa la fête, mais qu'on modification et on connaît lieu à au moment opportun, n'a pas communiqué, mais qu'on modification est très, 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 très possible pour le parfait, la famille reçoit parfait dans Caribéa encore. Voilà, c'est Maître Robinson Pierre-Louis qui est secrétaire, Lord avocat Port-au-Prince, qui t'est parlé comme ça, non micro Beethoven François Fils. Et ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, ancien député dans la 50e législature, là, te représenté Cabaret, et maître Joseph Manès, lui, pas d'accord avec décision commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, là, maître Ducarmel Gabriel, là, l'écrit bâtonnière AI, maintenant si Suzy Legault, pour demander le mettre à disposition de CPJ, et trois avocats associés dans le cabinet d'Orval, là, plus un secrétaire maître d'Orval concernant enquête capenin sous crime. Non. Et Maître Wilgui Bestia, Melior Joseph, Johnny Saint-Ville, et ces trois associés, Maître Dorval dans le cabinet là, et puis avec secrétaire, et Madame Katie Lindor, vous avez pu répondre à la question de CPJ demain à 10h. D'après ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, non, ce cabinet d'instruction, parquet a été doué saisi dans quatre dossiers ça, et qui te doué tendre, associé et Maître Dorval dans le cadre d'enquête qui a mené. Pour ancien parlementaire qui était tout ancien commissaire gouvernement, dossier a pas bien traité. N'attendez ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Manès Louis, qui était parlé comme ça dans le micro Beethoven François Fils avec Dodley Aurélie ce matin. Ce n'est pas un problème à ce que les avocats qui font partie du cabinet d'Oval ne pas attendre, mais c'est qu'elle instance à ce niveau, eh bien, il y a maintenant lieu pour le parquet de saisir maintenant le cabinet d'instruction. Parce que, un, c'est le monde qui a arrêté, le monde qui a eu un délai pour le faire. Et pas oublier, nous, nos criminalités organisées, parce que ça fait là, une planification qui fait son assassinat. Il y a plusieurs acteurs qui ont piqué la donne, pour chercher le monde, auteur et complice. Maintenant, lorsque vous avez un cas comme ça, l'autre partie a lui-même, il a pris un avocat, et bien pour le dire, bon, il n'a pas vu au-delà de, maintenant du délai légal. Donc là, et nous, nos systèmes, nous pas fait confiance, d'habiller, et la police actuellement, et sont la police qui est instrumentalisée. Donc par rapport avec un jeu, ça maintenant, et pour le pas souiller ou bien assassiner mémoire, mais d'ailleurs, mettre dans Val, c'est le droit public. Le droit public, c'est le droit qui dit, c'est le droit qui dit comment l'État organisé, qui dit que l'État doit être soumis au droit. Maintenant, il faut que vous respectez droit à mon tout qui est arrêté, eh bien, pour capable de gagner un procès qui est équitable. Cela veut dire quoi? Automatiquement, m'a répété encore, la police arrêté un monde. Parce que pas qu'il y a des droits, il y a maintenant qu'il y a des flagrants là, absent des mounes. Automatiquement, l'ouest, il y a lieu de priver quelqu'un maintenant de sa liberté, eh bien, il n'y a pas de monde encore. Il faut le voyer dossier aller devant un juge d'instruction. Maintenant, moi-même m'étonner, parce qu'il est enseigné, la police est l'auxiliaire de la justice. Maintenant, non, ça, nous, là, c'est comme si Nadou, c'est l'inverse qui est vrai. C'est comme si Nadou, c'est le parquet qui est l'auxiliaire de la police. Parce que le parquet n'est pas capable d'adresser au barreau pour demander pour y mettre des avocats qui font partie du cabinet d'Oval à la disposition
de la DCPJ. Donc ça, c'est vraiment une confusion totale autour de la nature de l'enquête. À quoi que le commissaire Ducamel fait ça méchamment, parce qu'actuellement, nous connaissons que le Jovenel Moïse, son monde qui dit, eh bien, c'est lui-même qui tout bagaille, il fait bah, j'en le. Donc là, moi-même, je me dis que, eh bien, il n'y a pas question. Le fait que des gens qui arrêtent Beethoven en dossier, c'est pour déférer au parquet et le parquet, à travers le réquisitoire d'informer du parquet, il va saisir le cabinet d'instruction pour un juge du CIA, eh bien, cap poser à ça. Voilà, M. Joseph Manestri, ancien commissaire gouvernement, qui était tout ancien député, qui t'a parlé comme ça, dans le micro Beethoven François Fils, jeudi. Toujours concernant le dossier Maître Montferrier d'Orval, là, dans la conférence pour la presse, il a bail avec réseau national plaignant et dossier Petro-Caribéa. Jeudi, il y a un avocat qui constituait groupe monde citoyen qui constituait être parti civil, Maître André Michel dans le dossier Petro-Caribéa. Il a parlé de divers points dans l'actualité, il a dénoncé façon il a assassiné bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince Maître Montferrier d'Orval. Et d'après Maître André Michel, crime ça, son crime sans pareil. Et qui fait en tout près résidence en Jovenel Moïse, semblait tête coupée, d'après ça dit, à l'équipe PHTK. Li fait connait dans le cadre d'enquête de CPJ apmené sous crime ça, sous crime bâtonnier, yo arrêté chauffeur madame président, d'après ça dit, Martine Moïse. Et n'attendez, et André Michel qui te fait déclaration ça. Tout nous connaît dans qui circonstance, professeur d'Orval, il a assassiné. Salut encore une fois sa mémoire. Il a assassiné à quelques mètres de la résidence de M. Jovenel Moïse, presque derrière Kay Jovenel. Mais ça me attire l'attention dans son lit, c'est que en samedi, moins de 24 heures après l'assassinat de M. d'Orval, Jovenel Moïse font conférence de presse. Et puis il a fait bâtonnier à balai. La petite bâtonnier à DLL. Bâtonnier a dit, mais ça pour le faire pour la constitution. Bon, il a pas menti. Bâtonnier a dit, je cherche tellement. Il a fait bâtonnier à balai. Alors, nous sentons des bons volontés. Pour faire une récupération politique de cadavre. Et malheureusement pour PHTK, malheureusement pour Palais National, l'enquête a avancé et les premiers éléments distribués un peu partout montrent très clairement côté crime dans ce type. Premier élément, yo, premier signe yo montre très clairement qui côté assassinat à ce type. Pas vle dit plus, pas pour ça m'vena, mais nous tous nous connaissons que y a un chauffeur, Martine Moïse, yo arrêté, comme exécutant. Et la DCPJ doit rester ferme et continuer à assumer ses responsabilités. Nous pas jamais capable de tromper tout le monde tout le temps. Il est très facile pour essayer d'accuser le monde à droite à gauche. Mais la vérité, c'est que M. Dorval a été assassiné, exécuté à quelques mètres de la résidence de Jovenel Moïse. La vérité, c'est que c'est presque derrière Kaelia qui a tué bâtonnier. Et vérité, c'est que le premier élément a montré côté crime dans ce type. Je vous dis à même journaliste, comment ça dit, bon, suspend par l'empile, eh bien, crime ça, les senti PHTK. Tout le monde commence à dire, premier élément a montré, ce sont des assassins. Bonjour, Matipus. Voilà, bon, déclaration, ça, Maître André Michel fait, mais nous n'avons pas gagné information, ça. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, nous n'avons pas gagné identité. Trois mounes, la police de l'arrêté, nous entendons toute qualité de rumeurs. Nous entendons des rumeurs qui parlent tout de l'appartenance à des institutions publiques. Mais nous n'avons pas gagné déclaration, ça, concernant exactement mounes arrêté dans le cadre d'enquête. Donc, c'était une déclaration.